J'adore la musique de Clash of Clans quand c'est la guerre, les copains. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BF1, on se retrouve pour une GDC, ma toute première GDC avec le clan Laboratoire. Toute première GDC, j'ai envie de vous dire, depuis super longtemps que j'ai pas fait une GDC de ma vie, là, les copains. Et je suis tout excité, là, voilà, je sais pas, c'est marrant, c'est presque comme si c'était une première. Donc, nous, on en est là, avec le clan. Qu'est-ce que ça donne, le clan? Je vous montre un peu, voilà, un petit peu tous les membres du clan. Voilà, un petit peu le descriptif en haut. Bien sûr, pour ceux qui veulent rejoindre, il faut venir d'abord sur le Discord qui est en description de vidéo, vous présenter tout ça, machin, faire tout un CV hyper compliqué, passer à 8 entretiens avec les modérateurs, tout ça. Et sinon, bien sûr, petit code créateur BFA. Pourquoi je mets des villages? Non, c'est pas là, c'est dans les paramètres supplémentaires. Et vous voyez, il est encore là, tiens. Ok, je pensais qu'il avait disparu parce que je me suis dit, ça fait peut-être une semaine que je l'ai pas mis. Et non, en fait, il est encore là. Ok, super, nickel. Voilà, on remet. Et du coup, ah bah oui, ça doit faire une semaine qu'on n'a pas fait une vidéo ensemble. Bref, du coup, cette GDC, on va y aller YOLO, hein. on va y aller YOLO, mais d'abord, on va se demander des troupes. Donc, je sais même pas ce que je vais attaquer. Par contre, ce que je sais que je vais faire, c'est que je vais demander un PK et un golem de glace, parce que j'adore ça. Voilà, je trouve que c'est trop stylé, le golem de glace. Le PK, bon, c'est une passion depuis toujours, ça, c'est pas nouveau. Alors, PK, tac, golem de glace, tac, petit rage. Après, la question se pose de l'engin. Mais là, je vois que... Oh, purée. Engin de siège, j'ai que ça. Ah, mais j'ai même pas de quoi de rentrer dans le village, là. Ok, parce que j'ai pas le bélier. Donc, du coup, si je dois attaquer... Si je dois attaquer lui... On va voir. Ça va être compliqué, parce que... Il aurait bien fallu une petite ouverture, quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, on y va vraiment YOLO. Ah, le vraiment YOLO, il fait un peu peur quand même, non? Quand vous pensez pas que ça fait un peu peur, le vraiment YOLO. Ça fait un peu peur, mais je pense qu'on va... Ah, il aurait fallu un petit bélier quand même. Ah, il aurait fallu un petit bélier quand même. Il aurait fallu un petit bélier, je suis pas très confiant. Alors, laissez-moi voir. Est-ce que je peux faire un petit bélier comme ça? Si je fais ça, oui, je pense que si je fais ça, modifier, on en enlève un. Voilà, ça mange pas de pain, il y a un petit bélier là. Voilà, il y a un petit bélier. Alors, on fait comme ça, on se rassure tout de suite. Et on y va. Ok, let's do it. Allez, explorer. Alors, stratégie d'attaque. Alors oui, on avait la compo avec les 4 trucs, machin. Alors, je pense que... Bah, nous, on va essayer de faire un gros truc, quand même. Mais je pense qu'on va se rétamer, je sais pas pourquoi. Les bases de guerre, c'est quand même autre chose, là. Tout est là, quoi. Il y a rien qui... truc. Ok, on y va. J'ai une idée en tête. Je vous montre ce que je veux faire. Alors, ce que je veux faire, c'est passer par là pour essayer de choper la glartilleur et après que le bélier continue tout droit pour aller taper dans le truc. Donc le bélier, peut-être je vais mettre un petit peu à gauche qu'il aille ouvrir tout. Et voilà. Genre dans le coin ici, là. Enfin, vous avez compris? Ok, donc du coup, je vais... Par contre, je sais pas comment ça va funnel cette histoire, je pense que ça va pas funnel du tout en fait. Donc okay, c'est pas grave, on va faire ça. 1, 2, 3, 4. Comme ça. Ok. Voilà, le bélier, voilà, ok, 1, 2, 3, 4, et là on va déjà enrager ici. Alors attends, est-ce que j'ai deux? Est-ce que ça vaut le coup que, ouais, peut-être sur ça, j'ai les deux ou pas? Ouais, j'ai les deux, c'est plutôt pas mal, ok, non, grand gardien, c'était pas là qu'il fallait le faire, purée de pois chiche. Ah ouais, c'est vrai que j'ai la compo avec le, ok, alors attendez. Il y en a, ils m'ont dit, vas-y, tape direct comme ça. Si je fais ça, il y en a, ils m'ont dit, c'est juste pour tester. Ok, nickel. Super. Ok, attendez, faut que je surveille après les battes. Oula, attendez, non, ils vont se faire dégommer là, non? Ouais, non, ça passe. Ouais, ça passe au bat, hein. Ça passe au bat, très bien. Ok, là, on s'en fout, on continue. Oh, c'est bien, hein. Non, on est bien. En vrai, on est très bien, non? À part peut-être le... Ah non, la T2, elle tombe aussi. C'est formidable. Attendez, on va geler tout ça là-bas. Regardez là. Il y a du monde à geler là. Regardez-moi tout ça là. Oh là là. Là, il y a... une boucherie de gelage. Ok. C'est plutôt cool. On va partir sur un perf. Attendez, première GDC. C'est bien ça. On commence comme ça. Première attaque, on se met bien. Déjà, ça fait une grosse intimidation vis-à-vis de l'équipe adverse. Quand on dit leur numéro 1, on lui met 3 étoiles. Déjà, ça les met mal. Ok. Je vais quand même faire la reine maintenant pour histoire de, voilà, montrer qu'on était large.
Ok, on casse tout. Voilà, super. Bon, alors, ce qui est bien, c'est... Alors, ça, c'était la composition d'attaque de la vidéo précédente. Je vous avais dit, j'avais vu une compo assez sympathique, où je découvrais le sort de chauve-souris. Comme la dernière fois, on m'a dit, ouais, passe pas forcément tout le... Attendez, on finit ou pas? Ou on finit? Ah, j'ai eu un peu peur, là. Ah, c'est un peu juste, hein. Attendez. On fait le malin, mais on était un peu juste, là. Et comme je vous disais, on m'a dit, oui, ne lance pas forcément toujours... tes chauves-souris, ton sort en coin de map, tu peux aussi le faire au centre. Là, j'ai voulu la tenter comme ça. Après, j'ai pas trop fait gaffe, effectivement, par rapport aux TDS, là, s'il en restait sur le moment, mais elles étaient pas là, donc c'était bon. Sinon, effectivement, les sorts de gel pour les TDS, c'était bien. Tout ça, vous m'avez dit que c'était ok, donc dans l'ensemble, on est pas mal. Et puis, vous savez quoi, et je peux pas vous mentir, mais en vrai, il y a pas que le sort de chauve-souris que j'ai pas utilisé de ma vie. Il y a encore, attendez. Ça, par exemple, là, sort de clone, j'ai jamais utilisé de ma vie. Le sort de squelette aussi, je l'ai jamais utilisé de ma vie. Donc, bref, il y a moyen de se faire une vidéo sympa. Par contre, c'est pas la compo. La compo que je voulais utiliser aujourd'hui, que je voulais tester, c'est une sorte de Yeti Smash. Si j'ai bien compris. Attends, par contre, on a un problème de 242. Ah non, c'est normal, ok. Très bien. Et cette compo-là, alors attendez, je l'ai mis ici. Voilà, avec 4 PK, 5 guérisseuses. Donc, on va tester ça. Je sais pas ce que ça vaut. J'ai jamais testé. Pareil, j'ai vu sur une vidéo, j'ai regardé un mec, mais à chaque fois, il changeait ses sorts à chaque base. Ça me perturbe un peu, parce que j'ai l'impression qu'il faut faire du sur-mesure. Est-ce qu'on se fait ça en deuxième attaque ou pas? Du coup, faites voir le deuxième. Est-ce qu'histoire qu'on se mette bien direct. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, on va l'éclater, lui, non? Je pense qu'on peut l'éclater. Je pense que ça... Enfin, je pense qu'on peut l'éclater. On va tester la compo, mais on va s'éclater tout de suite. Donc, on termine. Allez, on termine, tac. Ça c'est bon, c'est terminé apparemment. Et ça, on va terminer comme ça. Voilà. Ok, on va tester ça. Ah, par contre, faut que je redemande. Alors, on va reprendre la même chose. On va partir sur un PK. Là, je sais pas si on part... Je pense qu'on va pas partir cette fois-ci sur le bélier. Je pense qu'on va en profiter pour avoir un PK supplémentaire, ce qui peut être cool. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai donc la machine à générer le PK plus les... Merde. Quelqu'un m'a donné quelque chose, là, non? Non, bah, ah, c'est bon. Non, bah, ah non, c'est mon truc qui bug alors. Parce que je le vois pas, que je peux demander encore. Demande envoyée. Ah ouais, voilà. Ok. Non, je sais pas, il y a eu comme un souci. Ok, très bien. Donc, le golem de glace, le PK, le petit rage. Et la machine, cette fois-ci, je pense qu'on va partir sur la machine. Comment elle s'appelle d'ailleurs? L'engin de siège, là, celui-là. Là. Non, il s'appelle pas engin de siège, il s'appelle caserne de cirge, voilà, caserne. La caserne. On part sur une caserne. Très bien. Du coup. Alors, par contre, je ne me rappelle plus comment doit se dérouler cette attaque. Bon, déjà, on va choisir l'angle. Donc, on va choisir côté gauche, on est d'accord. Histoire d'avoir l'aigle d'entrée, comme ça. On va faire comme ça. Ensuite. Confirmer. Votre clan a déjà gagné une étoile. Ouais, ouais, vas-y, mais je veux faire plus. Tac. Donc, moi, j'ai ça. Donc, ah, donc le sort de saut, il sert à rien, là, en vrai. Et le sort de... Alors, attendez. Oh, je suis peut-être en sortie. On va tout ouvrir ici avec les... Avec les tremblements de terre. Et après, peut-être le sort de saut en sortie. Ok, très bien. On va faire ça. Est-ce qu'il faut funnel un peu avec peut-être 2 PK? Un là, un là-bas. Ouais, on va faire ça. Écoutez, allez, j'ai une petite idée derrière la tête. Allez, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Donc là... Pourquoi je peux pas switch mon engin? Mais il me laisse pas le faire. Ah bah voilà. Ok, très bien. Ok, donc, là. Petit PK là. Petit PK là-bas. Ensuite, des sorts de ici. 1, 2, 3, 4. Si je le fais bien, normalement, ça passe. Voilà, très bien. Ok, très bien. Et là, je sais pas, on va mettre ça direct. Et puis on va mettre encore 2 PK. Voilà. Voilà. Et là... Allez, on va mettre les guérisseuses, voilà, pour accompagner la reine. Hop, hop. Et là, on y va, hein. Là, faut y aller, hein. On a du gel ou pas? Non, on n'a pas de gel. Ok, donc on va poison ici. Ok, j'espère que ça va se passer, hein, parce que là, je suis pas sûr. On est toujours dans le rage, là. Oh, on est toujours dans le rage. Ah, mince, j'ai oublié les boulistes. Ça, c'est relou d'avoir oublié les boulistes. Ça, c'est vraiment relou d'avoir oublié les boulistes. Et il se barre, en plus, il se barre à droite. Voilà, vraiment, là, c'est... Oh, puis ça part en cacahuète. J'ai oublié des boulisses. Purée. Purée de moi. Ok. Le sort de sortie, on avait dit qu'il était par là. Voilà.
le sort de sortie. Ok, très bien. Heureusement que la base est pas trop forte, du coup on a pu se, voilà, pu se remettre bien. La compo, elle est mignonne sinon. Ça va, il reste des troupes ou pas? Des PK, bof. Il reste un peu de JT, bah il reste les boulis forcément parce que ils sont arrivés après la bataille quoi. Le roi on va l'activer. Ok, très bien. On va se mettre bien, on va mettre bien le clan là. Voilà, allez. On rajoute des étoiles, on est pas mal, on est pas mal. Alors j'ai aussi mon petit compte TH11 là. On peut faire des choses dessus, mais pour l'instant on va tant qu'à faire, on va retester cette compo. Ah mais j'ai même pas activé ma reine. Ah, oh, même pas eu ce plaisir. Ok, bon, c'est bien, on se met pas mal. On se met pas mal. Voilà, 8 attaques, 13 étoiles. Il y avait un fail quand même chez nous. Non, 15 étoiles maintenant. Ok, c'est bien. 8 x 2, 8 et 8, 16. Ah, quelqu'un attaque de chez nous, ça? Ah ouais, attendez, il y a un abonné qui attaque ou quoi? Ah ouais, il y a Bjorn. Attendez, on va regarder. Eh, on lui dit pas. On lui dit pas, on regarde ce qu'il fait. Faites voir, non? Ok, bélier, golem devant, la petite reine 26, mignonne, gladiateur en skin. PK à droite, PK à gauche. Donc ça, ça funèle. Mais ça funèle ou c'est prévu ça? Ou alors il voulait laisser que les boulis rentrer? Il voulait pas laisser les PK rentrer? Non, je pense pas qu'il voulait. Je pense pas qu'il voulait là. Je sais pas. Ok. Comment ça se passe? Il a gelé. Il a gelé un peu tôt, non? Il regèle ici. Ok. Oh, le roi il va prendre tarif avec la TDE. Ou la TDE solo là. Il aurait mieux fait de geler la TDE solo une fois qu'il arrivait dessus, non? Après c'est facile à dire quand on regarde. Ok, très bien. Je pense que ça se passe plutôt mal hein. On est d'accord hein. On part sur une quenelle là les copains hein. Bjorn, si tu nous regardes. Alors la prochaine fois, alors j'essayerai hein. J'ai essayé de vous avoir des abonnés en vocal. Mais là ça va être un peu compliqué. Oh, le petit sort de saut auto mignon ici. Pour essayer de récupérer quelque chose. Eh mais le PK il est un peu faible. Oh le double sort. C'est value tout ça. C'est value ça. 4 capacités de sort pour ça là. Rip hein. Rip hein. Non, on respecte les abonnés, les copains. On a tous fait aussi des grosses foirades dans notre vie. Donc on commence pas. Bon, ça fait un peu rire un peu. Bon, ça va, c'est de bonne guerre. Cette bonne guerre, c'est la GDC. Il va faire mieux pour la deuxième attaque, j'en suis sûr, on va l'aider, tout ça, machin là. Ok, on va couper juste ça. Parce que ça me stresse d'avoir un bout de bois là, on pourrait trébucher dessus. Et du coup, on va reformer. Alors attendez, la bonne compo, c'était celle-là. On va essayer de voir ce que ça donne en improvisant sur du multijoueur. Moi, j'ai envie de voir ce qu'ils appellent ça, Yeti Smash. J'ai vu ça sur une chaîne. Ah, oh, me demandez plus laquelle, hein, je ne me rappelle plus parce que j'ai regardé plein de vidéos. Mais je me dis, Yeti Smash, mais il y a 4 Yeti. Ils appellent ça une compo Yeti. Mec, il y a plus de boulis que de Yeti. Le PK, il y en a autant et on pense à prendre plus de place. Bon, bref. On va pas chipoter sur la terminologie. Juste, je me mets un petit bélier et ça. Voilà. J'ai tout, hein. Non, on n'a pas tout. Vous avez vu, il n'y avait pas ça. Ah ouais, et puis je ne vais pas demander de troupes. Voilà, je ne vais pas demander de troupes. Je vais aller sans château de clan. Alors, on tombe sur ça. C'est pas le plus blindé des blindés. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas pour l'élixir. Ok, alors. TDE. Deux solos, une multi. Un deck bien au centre avec tout ça, machin. Ok, donc là, si on y va... Effectivement, au bélier ou machin, j'ai peut-être pas envie d'aller au bélier, je vais y aller justement sans le bélier. On va faire l'ouverture la plus sympathique possible, et je pense que ça va être avec la TDS ici. Voilà, en plus on a la reine et tout, donc je pense que on va laisser un PK s'échapper par là. Et là, et là on y va comme ça. Ok. Et ça aussi, tac. Hop. Cette fois-ci, on va pas louper les boulistes. Voilà. Les deux barbares, c'est pas le plus important. Bon, c'est quand on y va là. Voilà. Et c'est vrai que nous, on n'a pas de. Ouais, ok. Du coup, je sais pas, je sors ça là. Ça me stresse un peu de pas avoir de gel. Ok, le grand gardien, limite, j'aurais dû le faire avant. Est-ce que ça passe ça? Ouais, ça casse. Ça passe ou ça casse? Non, ça casse en face, hein. Enfin, nous qui cassons. On se fait pas casser. Le petit sort de sortie, finalement, il est plutôt agréable, là. J'ai refait un peu la même. C'est plutôt sympathique. J'aime bien. Est-ce que... Après, voilà, faut voir combien il reste sur la fin. C'est vrai que c'est un peu du luxe aussi de faire des funnels en début de combat avec des PK, quoi.
J'ai pas trop fait gaffe s'ils se sont fait éclater par la reine au début, là, le P4 droite. Là, en tout cas, il en reste pas mal. Avec la petite caserne de siège, c'est pas mal non plus. Il reste 2 PK, là. Et on est bien. On est bien. Et la championne et tous les héros sont super en vie. C'est ça qui est bien, là. C'est que là, il y a moyen de relancer l'attaque sans guérir les héros. Et ça fait plaisir. Oh, ça fait du sale, hein. Moi, je trouve ça très, 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 très satisfaisant, hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On va la refaire. On va... Puisqu'il faut voir ce que ça donne, vraiment. Hein. Attendez, hop. La compo, c'est celle-là. Je pense qu'on peut faire ça. Je pense qu'on peut faire ça. On peut faire ça. Et on peut faire... Ben non, il y a un truc qui n'est pas passé. C'est là. Voilà. Et les héros, on est là. Nickel. Donc, on n'avait pas de château de clan en plus. Donc, ce qui est plutôt agréable. Ok, très bien. Et on continue sur la formation. En faisant une petite alternation comme ça, histoire d'en avoir un, deux. Si on change d'avis, selon le cas de figure, si on a un village en face très compartimenté, peut-être qu'on pourra partir sur un bilet, quoique on est tranquille logiquement avec un sceau plus les quatre séismes. On est bien. Après, c'est vrai que c'est intéressant, ça me rappelle, c'est vrai que moi, jadis, je jouais très peu gel, hein. Je jouais beaucoup rage et très peu gel. Et je misais tout sur la rapidité en fait de la composition qui a vite épopé les TDE quoi. Pour pas avoir besoin de tempo en fait. C'est un peu la même idée là. Ok. Alors là, est-ce que ça peut être intéressant ou pas? Je sais pas. Là, le problème, c'est que c'est un peu large pour aller ouvrir. Je crois pas que j'ouvre. Je crois que les murs sont trop espacés. Il y a 6 carreaux. Ça passe pas à 6 carreaux, je crois. Ça passe pas si carreau là, mais par contre je peux faire, je sais pas, je peux essayer ça là. Attendez, je vais essayer un truc. Après, est-ce qu'on part en mode, on s'en fout du, ouais, je pense qu'on part en mode, on s'en fout du truc. On va faire ça, on va faire, enfin, quand je dis on s'en fout du truc, on s'en fout du sort de sortie. On va partir sur ça. On va peut-être mettre un PK là, un PK là. Voilà, histoire de, voilà. Ensuite, non, on avait dit. Non, par contre, les TPK, c'était peut-être les mettre avant. Ok, on va mettre le roi, la reine, les 4 guéris. 1, 2. Merde, j'ai activé le roi. Alors que je voulais juste poser en fait les autres héros. Ok. Bon, par contre, là, ici, là, il y a une bonne ambiance. Je sais pas ce que je vais poisonner. Si, peut-être. La reine est où? Il y a un château de clan qui sort là? Ah, d'accord. Alors, on va faire ça. Ok, on va peut-être grand gardien là, c'est peut-être le moment. Quoi qu'il n'était pas super bien positionné, la TDE qui me fracasse totalement. Je suis fracassé à la TDE là, il faut dire ce qui est. Mais on arrive à s'en sortir. Le roi qui a beaucoup souffert. Voilà. Le PK aussi qui va dépop. Ah là là, ah, le PK qui dépop, ça c'est terrible. Dépopé devant. Oh là là, le barbare qui finit la TDE, ça c'est miraculeux. La championne royale, allez hop. Qui met une petite steak sur la gauche, on l'a pas très bien vu, mais quand même. Oh là 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 là. C'est pas mal, hein. Ça finit bien. Il y a des morts, hein. Il y a des morts, hein. Ça, je dis pas. Hein. Il y a eu des morts, mais. Mais c'est quand même pas dégueulasse, hein. C'est quand même pas dégueulasse. On va pouvoir activer l'arène encore pour le plaisir, là, pour accélérer la partie. Et ça va finir tout ça tranquillement. Compo plaisante, hein. Compo plaisante. J'ai beaucoup aimé la compo d'avant aussi avec les golems de glace. Parce que je trouvais que les golems de glace c'est assez stylé ce qu'ils font sur la fin. Je propose qu'on fasse une petite dernière. Parce que vraiment c'est plaisant. Ça me fait plaisir. Si vous voulez me faire plaisir, laissez-moi me faire plaisir. Si. Ok. On fait ça. Tac, tac. Hop. Et voilà. On fait ça et on est bien. Et on parle plus sur les. Ah, les engins, par contre, j'ai plus de. On va faire ça alors. Comme ça, on est sûr d'en avoir un. Parce que peut-être. Ouais, je pense que c'est plus sympa que le bélier, là, en vrai, dans ce contexte. Avec les sorts que j'ai. On est parti. La petite dernière pour se faire plaisir. J'ai vu de la thune en haut à gauche. Là, ça m'a interpellé. Ok. Intéressant. Purée, c'est des bases vachement à l'ancienne, ça. Intéressant. Alors, l'ouverture. Moi, je serais tenté quand même d'aller casser. Casser ici direct, comme ça, là. Voilà, c'est plutôt pas mal. Après, effectivement, un sort d'entrée comme ça, juste avec un. Voilà, je vais faire ça. Mais alors, attendez, je vais le faire après. D'abord, je vais laisser un PK s'échapper. Je vais laisser un PK sur la championne royale. Je vais mettre un sort d'ici comme ça. Je vais mettre ça là.
Et après, on va Yeti. On va Bouliste. On va Ren Roi. Mettre les 4. Voilà. Et là, on fait attention de bien. Attendez, je vais mettre aussi un. Voilà. Très bien. Ok. Oula, par contre, ça va faire gaffe. On va Poison. Et on va Grand Gardien maintenant. Voilà. Ensuite, oulala, attention, ici il y a triple TDE, j'ai peur que ça fasse un carnage cette histoire là. Est-ce que les héros sont protégés? Oui, ça passe, ils sont bien. Ah, il y a un qui est target là, c'est qui? C'est le roi? Attendez, je sais pas. Oh là là. Bah, c'est le roi qui est target. La championne, attendez, la reine aussi, je vais l'activer. La championne, je l'ai pas activée encore. Oh, on est très très bien. Ouais, la championne, j'ai envie de me la faire maintenant, là, comme ça, regardez. Bim. Bim, bim. Oh là là, quel plaisir, le dépop de la TDS par la championne royale. Quel héros sympathique, cette championne royale, quand même. Sa capa, les... C'est magnifique, sa capa. C'est magnifiquement satisfaisant, ça. Ok, il y a encore du PK. Non, franchement, c'est... Ah, c'est des bonnes attaques pourrines comme on aime, hein. Ça passe bien, ce truc-là. Non, ça passe bien, ça a l'air strong, hein. Ça a l'air strong. Alors regardez, parce que quand même, il y a quand même du PK là encore là. Du PK, du Bouliste, du Yeti. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. C'est franchement pas mal. Purée, j'ai envie d'en faire d'autres là, mais je vais les faire en dehors de la vidéo, les copains. Je vais pas vous retenir, mais j'ai envie. Après, les compos, elles sont plaisantes. Hein. Là, c'est bien, je vais avoir une liste de compos très sympathique. Voilà, les amis, ça finit comme ça. J'espère que ça vous aura plu. Et la suite, je vous dirai. Alors. La TDC, on en a parlé ou pas? Je sais plus. En tout cas, la GDC, c'était moyen. C'était moyen d'avoir fait, je sais pas, 4 victoires, 3 défaites, un truc du genre. Et la GDC, là, bah, je pense qu'on est pas mal. Là. Je pense qu'on est pas mal. On s'est pris un fail aussi des 3. Ouais, bon, je sais pas, on va voir comment ça se passe. Je vous raconterai de toute façon. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux pour avoir un petit peu tout ce qui se passe en off. Et sur le Discord, bien sûr. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.